Au cœur du continent africain, la forêt équatoriale s'étend sur une zone immense qui recouvre 6 pays. On estime que les tribus pygmées sont arrivées dans la jungle, au nord de l'actuelle RDC, près de 20 000 ans avant notre ère, à l'issue d'une mystérieuse migration. L'histoire des pygmées se perd dans la nuit des temps, mais on sait qu'ils furent graduellement réduits en esclavage par les tribus bantoues qui vinrent s'installer dans la forêt après eux. Bien plus tard, l'exploitation du bois par les colons et la destruction croissante de leur habitat naturel accentuent encore la marginalisation des pygmées. Les plus audacieux d'entre eux tentèrent alors le voyage vers la grande ville en quête d'une vie meilleure. Parmi eux, Wengi Loponya, un pygmée de la tribu des Batois. Je m'appelle Wengi Loponya Bilongi. L'armée m'a pris dans ma forêt en 1971. C'est comme ça que j'ai quitté mon village. On est passé par Isiro, par Bumba. Dans tous les pays, on faisait tout le temps la guerre. Et puis, on est arrivé à Kinshasa. Faire les soldats, c'est un boulot débile. Alors, j'ai déserté l'armée et je suis resté à Kinshasa. J'ai dû me débrouiller seul. J'ai voulu aider les autres pygmées, tous ceux qui galéraient en ville. Je suis Wengi Loponya Bilongi. Je suis celui qui aide tous les pygmées, tous ceux qui débarquent à Kinshasa des quatre coins de la forêt. C'est moi qui le recueille. Ils savent tous qui je suis. Moi, Wengi Loponya Bilongi. C'est en 2008 que nous rencontrons Wengi Loponya et sa femme Soi pour la première fois. Nous découvrons un couple pudique et complice. Ils se sont rencontrés 10 ans auparavant, à Kinshasa, et ne se sont plus quittés. Ensemble, ils font face à la misère et à l'indescriptible chaos de cette ville de 10 millions d'habitants. Leur détermination dans le combat qu'ils mènent pour la reconnaissance des droits des pygmées nous impressionne. Mais après 30 ans passés au ghetto, les espoirs de Wengi Loponya commencent à s'évanouir. On veut tous venir en ville. Kinshasa, c'est l'Europe noire. Nous, les pygmées de la forêt, on voit Kinshasa comme l'Europe. Mais quand on arrive ici, les rêves s'écroulent. Il n'y a pas de boulot. Un pygmée n'a absolument aucun droit par rapport à un bantou. Entre nous et eux, il y a cette inégalité ancestrale. Ça vient de très loin, du temps de nos ancêtres. Et aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Nous sommes toujours leurs esclaves. Les pygmées sont toujours ceux qui font les basses besognes. C'est la condition des pygmées. Il est temps pour nous de rentrer au village, pour travailler notre terre. Là-bas, il n'y a pas de matériel, pas d'outils. Quand on aura réuni assez d'outils ici, on rentrera chez nous. Avec tout ce qu'on sait faire, on s'en sortira très bien. On travaillera pour nous-mêmes, les Batois, pour les pygmées. Et puis, je voudrais tant revoir mon fils que j'ai laissé au pays. Il est toujours là-bas, dans la forêt. Lorsque Wengi a quitté sa famille, les anciens du village lui ont remis une statuette rituelle qui, disait-il, le protégerait dans les combats et ferait de lui un guide pour les autres pygmées, où qu'ils soient. Mais cette statuette devait revenir un jour à ses descendants restés dans la forêt. Wengi en avait fait le serment. Mes ancêtres m'ont laissé ces statuettes. Lui, c'est l'ancêtre Isambo. Voyez comme il est ligoté. Ça ressemble à notre situation, à nous les Batois. Qui déféra tous ces liens qui nous entravent?
Malgré le mal du pays qui le ronge, Wengi a choisi de continuer à se battre à Kinshasa. Car il n'envisage pas de rentrer au village sans avoir obtenu des résultats dans la cause qu'il défend. Voici mon projet d'ONG. C'est le plan d'une coopérative gérée par les Pygmées. Il faut en créer une dans la région de Kinshasa et une autre chez nous au village. Les aides destinées aux Pygmées sont détournées. Où est les sanctuaires qu'ils nous ont promis et les logements qu'ils ont promis aux Pygmées? Où part l'argent récolté à notre nom? Je dois réaliser ces projets moi-même. Ça doit exister pour nos enfants. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Pour le moment, je n'ai pas de moyens, mais j'y arriverai. Nous ferons cela nous-mêmes, nous les Bachois. Nous les Pygmées de la forêt équatoriale. Deux ans plus tard, rien n'a changé. Et la coopérative Pygmée dont rêvait Wengi n'a jamais vu le jour. Wengi, qui sent ses forces diminuer, a pris la décision de rentrer chez lui. Il nous a contactés et nous a proposé de filmer son retour dans son village natal. Un retour qu'il imagine porteur d'espoir pour les siens. Nous avons accepté sa proposition. Nous retrouvons Wengi et Soyi à Kinshasa. Mais pendant les préparatifs du voyage, la santé de Wengi se dégrade brutalement. Comme je suis chômeur, je n'ai pas l'argent pour me soigner. Je ne vais pas me mettre à voler. Aujourd'hui, la maladie m'a attrapé. Alors, je prends les médicaments de nos ancêtres. Si ça ne marche pas, j'irai à l'hôpital. Je ne refuse pas la médecine de blanc. Mais on ne trouve pas nos médicaments à Kinshasa. Nos armes ne sont pas là. Si j'étais à Bokatola, la maladie ne pourrait pas me tuer. J'irai dans la forêt et je me soignerai directement. Mais où trouver nos arbres à Kinshasa? Comment soigner son corps? Après notre arrivée à Kinshasa, et malgré tous nos efforts, Wengi Loponia meurt d'une tuberculose qu'il n'avait jamais soignée. Il s'éteint sans avoir pu revoir son fils, ni honorer la promesse qu'il avait faite à ses ancêtres. La communauté pygmée de Kinshasa s'est donné rendez-vous pour rendre un dernier hommage au vieux chef. Pour Soyi, c'est une perte immense, mais elle fait face avec courage et semble animée d'une force que nous ne lui connaissions pas. Thank you.
Nous sommes bouleversés par la perte de notre ami et nous réalisons peu à peu que le film que Wengi avait tant voulu n'a désormais plus de raison d'être. Mais une semaine plus tard, alors que nous sommes sur le point de rentrer en France, Soi nous convoque chez Wengi, car elle a une révélation importante à nous faire. La nuit où je suis venue chercher Wengi, il était 5 heures. Il dormait ici tout seul. Quand je suis rentrée dans la pièce, on aurait dit qu'il était déjà mort. J'ai eu vraiment peur. J'ai crié son nom 3 fois. Et il a fini par se réveiller. Il était tout nu dans son lit, il grelottait. J'ai dû l'habiller moi-même. Ensuite, je l'ai levé et on est sorti d'ici. Je l'ai traîné pour prendre un taxi vers l'hôpital. C'est tout un testament qu'il m'a laissé sur son lit de mort. Les dernières volontés d'un mort. On ne peut pas blaguer avec ça. C'est moi, Soi, qui ai cette corde autour du cou. C'est moi et personne d'autre. Je vis avec l'esprit de Wengi en moi. Il m'a donné une mission. Je dois ramener la statuette à son fils qui est resté au village. Tant que je ne l'aurai pas fait, je ne serai pas libérée de son esprit. C'était ses dernières volontés. On te croit. Nous partirons tous avec toi. Ne t'inquiète pas. Accomplis la volonté du vieux. Nous te suivrons. N'écoute pas les mauvaises langues. Ne te laisse pas détourner. Ce qui compte, c'est la volonté de Wengi. Le poids d'une telle responsabilité est énorme pour Soi. Quitter la ville sans Wengi n'est pas une chose aisée. Soi sait qu'elle va devoir laisser le peu qu'elle a construit à Kinshasa pour l'inconnu d'un périple sur le vaste fleuve Congo. Mais la promesse faite à Wengi est plus forte. Promesse pour promesse, nous décidons de respecter la nôtre et de suivre Soi dans son voyage en quête du fils de Wengi. Tu veux du pain? Si tu veux de la pâte d'arachide, il faut payer un supplément. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a plus rien de gratuit. L'économie évolue. Tu as un train de retard, mon pote. Aujourd'hui, le boulot n'a rien rapporté. Quand on m'a envoyée à Kinshasa, j'étais vraiment contente. Ce que je voulais, c'était quitter ma jungle et découvrir la ville. Mais la vie a été tout de suite difficile ici. J'habitais chez un maître bantou, un oncle éloigné. Il voulait que je fasse le trottoir. Tout cela m'était très pénible. Je suis restée longtemps à son service. J'étais sa bonne à tout faire. Mais lui et sa femme, ils ne me payaient jamais. Ils ne me donnaient rien à manger. Je supportais ça parce que je n'avais nulle part d'autre où aller. Quand j'ai rencontré Wengi, il avait déjà son orchestre. On s'est rencontrés par la musique. Il m'a dit, rejoins notre groupe. À l'époque, plein de Pygmées vivaient déjà chez lui. Amen.
On se retrouvait tous chez Wendy pour chanter notre tradition. Les musiques qu'ils jouaient, moi je les connaissais déjà du village. Je suis rentrée facilement dans le rythme, c'était dans mon sang. À partir de là, Wengi et moi on est tombés amoureux. Et c'est comme ça que je suis venue habiter chez lui. Moi, je ne ferai pas ce voyage avec eux. J'ai bien trop de choses à accomplir ici à Kinshasa. Je me suis fixé des objectifs et je veux des résultats. Je dois suivre ma voie à Kinshasa. Je sens que mon heure arrive. Moi aussi, un jour, je rentrerai au village. Mais ce jour-là, je souviendrai aux besoins de ma famille. Ils diront alors, « Roi David est parti à Kinshasa, mais aujourd'hui, il est revenu pour nous sauver. » Les autres vont rentrer au pays. Ils ont fait le choix de quitter Kinshasa, c'est une bonne chose. Ils retournent au village. Soyi a une mission à remplir. En même temps, ils vont recharger leur mémoire là-bas. Ils vont aussi retrouver l'esprit des anciens et quand ils reviendront à Kinshasa, ils seront plus forts. Wengi est mort physiquement, mais son esprit vit toujours en moi. On s'était promis de faire ce voyage ensemble. Son corps est mort, mais son esprit voyagera avec moi. Je sais qu'il me guidera. À force de persévérance et grâce au soutien des autres pygmées que Wengi avait aidés, Soyi et ses compagnons embarquent sur une barge de marchandises. Ils vont enfin parcourir les 800 km qui séparent Kinshasa de la grande forêt équatoriale. C'est la première fois qu'ils retournent au village.
RDC, le réseau routier est en ruine et les avions inaccessibles pour une population dont le salaire moyen est de 20 dollars. Le fleuve Congo est donc le seul moyen de remonter au nord du pays. Mais les bateaux surchargés sont vétustes et le fleuve imprévisible. L'appréhension de Soyi et de ses compagnons est palpable. Nul ne sait combien de temps prendra le voyage. À mesure que nous avançons, Soyi semble plonger à l'intérieur d'elle-même. Elle est comme absente au milieu de la cohue. Entre la ville et le village pour nourrir nos enfants. On vend nos marchandises en chemin, on achète du poisson, du manioc, puis on retourne vendre ça en ville et on recommence. Nous quittons l'Égypte. Nous sommes dans le désert, nous espérons tout atteindre la terre promise. Le convoi de près de 200 mètres de long avance au ralenti depuis maintenant près de 12 jours. Nous n'avons parcouru que 300 km, à peine la moitié du chemin. Au fil des jours, la barge prend des allures de camp de réfugiés. Et pour Soyi et les siens, l'arrivée dans le village de Wengi est encore un rêve lointain. Nos provisions s'épuisent. Ça va faire 2 semaines qu'on est sur ce bateau. Ça devient pénible. Avec un bateau normal, on serait déjà loin. Nous, on a déjà fini nos provisions. Ce bateau pourri a pris trop de retard. C'est la saison sèche. Le niveau de l'eau est vraiment trop bas. Du coup, le bateau n'avance pas. C'est ça le problème. S'il naviguait jour et nuit, on serait déjà loin. Certains pensent qu'on est presque arrivé, mais on est loin de Bolobo. Chance à Kokoma, peut-être dimanche. On vient de croiser un bateau. Les gens de ce bateau nous ont dit de ne rien vous acheter. C'est pas grave, l'important c'est de vivre. Ils disent que chez vous, il y a eu une épidémie de choléra. Il y a eu une épidémie. Mais maintenant, c'est fini. Il y a eu des morts ? Oui, mais les derniers malades sont traités à l'hôpital. L'épidémie a duré 3 semaines. En tout, il y a eu 40 morts en 3 semaines. Maintenant, c'est fini. Certains disent que c'est fini, d'autres soutiennent le contraire. Finalement, qui doit-on croire ? Même vous, les autochtones, vous ne dites pas la vérité.
Nous allons accoster ici. Il n'est plus question d'accoster à Bolobo. Là-bas, il y a trop de risques de maladie. Beaucoup de gens meurent. Donc on dort ici et demain, on passera au large de Bolobo. Il y a peut-être une épidémie à bord de ce bateau. Oui, ça se pourrait bien. Ça fait longtemps qu'ils sont bloqués là. Et on va dormir là. Il n'y a pas d'épidémie ici. Ah, oh, Zabino, aide-moi. Vous avez peur de nous alors que c'est vous qui êtes contaminés. L'autre bateau n'a pas voulu s'amarrer à vous. Ils ont dit que l'épidémie était chez vous. Est-ce que vous l'avez? La RDC est un faux pays. Dans ce pays, il y a trop de souffrance. Regarde ce bateau. C'est une épave, on est encore en panne. Ici à Kinshasa, il y a seulement 500 km. Et ça nous a pris 3 mois. Mais où sont les droits de l'homme dans ce pays? Nous sommes un peuple de galériens. Pour remonter ce fleuve, l'État devrait faire de bons bateaux. Mais au lieu de ça, on coule à pic. Dans la tradition de nos ancêtres, si un homme pygmée meurt loin de son village, un autre pygmée doit rapporter ses effets personnels à sa famille. Weng y tenait cette statuette de son père. Elle doit maintenant revenir à son fils. C'est un poids énorme duquel je dois me libérer. J'ai peur de rencontrer le fils de Weng, ce fils que je ne connais pas. Comment va-t-il m'accueillir quand je lui annoncerai la mort de son père? Après 20 jours de navigation, le convoi touche enfin au but, Mbandaka, la capitale de la région de l'Équateur, aux portes de la jungle. Soi et ses amis sont exténués, mais pour eux c'est un autre voyage qui commence, celui qui doit les mener jusqu'au village natal de Wengi. Aussi,
Soï négocie. Deux jours après l'arrivée à Bandaka, notre petite troupe grimpe dans un taxi-brousse pour remonter 180 km de piste au cœur de la forêt équatoriale. Mais au départ de Bandaka, nul ne sait si nous retrouverons le fils de Wengi. Regardez-moi cette route. Et vous allez encore voter pour eux? Notre région se meurt. Et vous continuez à leur donner vos voix. Ils viennent juste pour prendre nos votes et nos arbres et ils se tirent. Normalement, la coupe des arbres, ça devrait développer la région. Ils sont venus voir tous ceux qui possédaient des forêts familiales. Ils nous ont obligés à signer des papiers de décharge. À lui et à toute sa famille, ils leur ont donné deux vélos, plus un carton de savon et un sac de sucre. Ils ont coupé vraiment beaucoup d'arbres. Deux vélos pour la famille entière, c'est peu. Les gens de la compagnie nous disaient, vous n'avez qu'à porter plainte. Mais nous, on est des gens de la forêt. On ne porte pas plainte contre les autorités. Ils prennent nos arbres de force. Un pauvre qui vit dans la forêt, il ne peut pas porter plainte. Au fil des villages qui passent sous leurs yeux, les compagnons de Soï semblent reprendre des forces. Et ici, c'est le début des Pygmées. Nous remontons vers le nord. Nous ne savons pas précisément où se trouve l'Ileko, le village natal de Wengi. Sans nous en avertir, Soï demande au chauffeur de faire un détour. Nous bifurquons vers l'ouest et faisons halte à Etukola, le village natal de Soï, pour y passer la nuit. C'est un imprévu de plus dans ce voyage. Alors qu'elle s'éloigne dans les bras de sa sœur, nous ignorons ce que Soï a sur le cœur. Mais nous avons l'intuition qu'elle souhaite se replonger dans son propre passé avant d'aller à la rencontre de celui de son mari. Cela fait 12 ans que Soï n'a pas revu les siens. Bonjour.
Ma petite fille, ça fait tant d'années que je ne t'ai vue. Nos ancêtres t'ont ramené jusqu'à nous. Nos ancêtres sont bienveillants. Qui aurait cru que je te reverrais un jour? La route est vraiment longue depuis Kinshasa. Notre voyage n'est pas fini. Je dois remonter au nord. Tu vas dans la famille de ton mari? Oui. Tu es à peine arrivé que tu repars déjà. Je dois me remettre en route demain. Demain déjà? Quand notre mère est morte, tu étais là. Quand je pense qu'ils l'ont assassinée. Est-ce qu'il y a eu une enquête à l'époque? Non, il n'y a pas eu d'enquête. Mais pourquoi? À qui faut-il demander une enquête ici? Ta petite sœur était avec elle quand ils l'ont tuée. À l'époque, elle ne savait pas encore parler. Maintenant, elle ne se souvient plus de rien. Ce qui se passe dans la forêt reste dans la forêt. Pourtant, elle a assisté au meurtre de notre mère. Ce sont des Bantous qui ont tué ma mère. Ils l'ont forcée à boire de l'acide au fond de la forêt. Elle est morte d'une façon vraiment atroce. Pour moi, c'est très douloureux de penser à ça. Si je réfléchis bien, les meurtres de pygmées sont monnaie courante par ici. C'est presque normal. Un pygmée n'a aucune possibilité de se défendre. Ma mère s'était attirée beaucoup de jalousie par ici. Son mari était mort, mais elle voulait se débrouiller toute seule. Elle refusait de se remarier pour nous protéger. Elle repoussait les avances des autres hommes. Ils l'ont tuée pour ça. Jamais jusqu'ici, Soï n'avait évoqué ce drame. Lorsque sa mère a été assassinée, Soï vivait déjà à Kinshasa. Nous comprenons alors que dans le long voyage qu'elle a entrepris, elle avait un autre deuil à accomplir. En la regardant défricher la sépulture de sa mère, nous nous disons que la situation des pygmées est bien pire que nous l'imaginions. Pour ce peuple spolié de sa terre, réduit en esclavage et considéré comme inférieur par les autres ethnies, le combat à mener va bien au-delà de la défense de leur environnement. Pour les pygmées, la forêt était autrefois un garde-manger et une pharmacie à ciel ouvert. Mais avec la coupe du bois, le gibier a disparu. Même les arbres à chenilles, première source de protéines pour les pygmées, sont coupés sans aucun contrôle. Plus les arbres disparaissent, plus les connaissances traditionnelles s'effacent des mémoires.
Bois rare, bois rouge ou bois noir, un arbre de 30 mètres s'achète 5 dollars dans la forêt. Il se revendra 1000 dollars à Kinshasa. Combien se vendra-t-il en Europe une fois conditionné? Pourtant, pour les populations de cette partie du Congo, il n'y a ni école, ni hôpitaux. Les missionnaires ont creusé cette route pour arriver jusqu'à nous. Ensuite, les exploitants sont arrivés. On a vu notre forêt s'en aller sur leur camion. On s'est assis là et on les a regardés faire. Nous autres, les pygmées de Bokatola Ingende, on est devenus des pygmées du bord de la route. Mais nous ne savons même pas quelle route est la nôtre. Nous ne sommes plus qu'à 40 km de Lileko, le village natal de Wengi. Mais à partir d'ici, il n'y a plus de route praticable, juste une piste. Ces derniers kilomètres, nous les parcourrons donc à vélo. Après 3 semaines de navigation sur le fleuve Congo et plus d'une semaine de piste au cœur de la jungle, Zoé va enfin accomplir la promesse qu'elle avait faite à Wengi. Nous réalisons qu'elle est à bout de force. Pour elle, c'est l'heure de vérité. Wengi, c'est le moment de me donner ta force. Cette tâche est si lourde pour moi. Toi qui vis à l'intérieur de moi, donne-moi la force d'aller vers ces gens que je ne connais pas et qui ne savent pas qui je suis. Fais qu'ils écoutent ce que j'ai à leur dire. J'ai apporté une photo de ton père. Au revoir.
Voici les radios de ton père, on les a faites à l'hôpital. Sur la première radio, on voit ses poumons. Et voilà la deuxième. Ça t'appartient. Ton père est mort le 11e mois de l'année. Ça va faire 2 mois de ça. J'étais avec lui jusqu'à la fin. Il me parlait toujours de toi. Il ne t'avait pas oublié. Il m'a demandé de venir te remettre ses affaires. Et j'ai tenu parole. Je ne me souviens presque plus de lui. Mais dans mon cœur, il est toujours là. Il est toujours là. Tu es venu en son nom et je dois me réjouir. Ce soir, nous allons le pleurer ensemble. Nous allons pleurer mon père. C'est mon père qui t'a envoyé. Je ne peux pas refuser sa volonté. Je sais que tu as fait un très long voyage. Il t'a fallu du courage pour arriver jusqu'ici. J'ignorais qu'il était mort. Mais toi, tu es venu en son nom. Nous avons quitté Kinshasa depuis 35 jours. Soyi est transfigurée. Elle a tenu sa promesse et par miracle, Diawara, le fils de Wengi, était présent à ce rendez-vous que nul n'avait fixé. Soyi s'apprête enfin à se libérer de l'esprit de Wengi en remettant la statuette à son fils. Wengi nous disait souvent que chaque arbre de la forêt portait l'âme d'un pygmée mort. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, nous ressentons physiquement la présence de notre ami. Dans la nuit de la grande forêt équatoriale, quelque chose de surnaturel est en train de se produire. Quelque chose d'indicible dont nous nous souviendrons longtemps. Nous sommes des Batois. Depuis que le monde existe, nous vivons dans le malheur.
Personne ne nous a jamais aidés ici-bas, mais on vit avec l'espoir. Heureusement qu'il nous reste l'espoir. Est-ce que notre sort intéresse quelqu'un sur cette terre? Que ce soit en France, à Paris ou en Amérique, ou n'importe où dans le monde. Nous sommes un grand peuple. On vient même nous étudier. Mais les gens se servent de nous et s'en vont. Et à l'arrivée, rien n'est chance pour nous.